Il y a plus d'un siècle, à Londres, un procès international sur le droit d'exploitation de mines révéla un complot conçu depuis longtemps. Un jeune homme, rentré de l'étranger, perça un blocus technique et le monopole du marché. Un industriel national tricota ses rêves avec ses fils de laine et sa vie chaotique. Les concessions de Tianjin va vous raconter les histoires de lutte entre les industries chinoises et les puissances occidentales. Londres, centre financier et économique de l'Europe. Il y a plus d'un siècle, à la Cour suprême du Royaume-Uni, près de la Tamise, a eu lieu une scène exceptionnelle. Quelques Chinois, en longue robe et à tresse, ont intenté un procès à une entreprise britannique. Environ 20 avocats ont mené de vifs débats. Pourquoi ces Chinois étaient-ils ici? Quels étaient les secrets derrière ce procès international? Que s'est-il passé dans cette affaire? L'histoire commença à 9000 km de Londres, il y a 137 ans. Tianjin, centre du mouvement d'autorenforcement du nord de la Chine. Le siège de l'Académie des communications militaires de l'Armée populaire de libération de Chine abritait vers la fin du 19e siècle l'arsenal de Beiyang, le plus grand arsenal du nord de la Chine. Chaque année, l'arsenal devait importer 10 000 tonnes de charbon indispensable pour la fabrication des armes. In the late 19th century, industrial technology, steamships, factories, steelworks all came to China for the first time. And what's notable is that Chinese entrepreneurs learnt very quickly from the technology that had come to China. En 1887, Li Rongzhang demanda à la cour de la dynastie Qing d'ouvrir des mines de charbon administrées par le gouvernement, investies et exploitées par des marchands. Sous cette forme d'entreprise d'État, les premières mines chinoises mécanisées, les mines Kaiping, furent fondées. Réputées comme les meilleures de Chine, ces mines approvisionnaient tout le pays. Fatiguée du mouvement d'auto-renforcement, la Chine commença à retourner sa confiance à partir du charbon. En 1892, l'actif des mines de Kaiping atteignit 6 millions de taels d'argent, soit 5 fois celui du début. Elle possédait des mines à Tangshan, un canal à charbon, un chemin de fer et des navires, ce qui séduisait les étrangers. Or, leur prospérité fut changée par son nouvel administrateur, l'officier de la dynastie Qing, Zhang Yi. Ancienne escorte du prince Chun, Zhang Yi a apporté aux mines de Kaiping la bureaucratie dont il avait l'habitude. Comme avant, il abusait du capital des mines et rapportait des faux chiffres d'affaires au gouvernement. Plus tard, il a commencé à avoir recours aux prêts étrangers pour maintenir la production.
Quel destin attendait les meilleures mines de charbon chinoises? En 1900, l'Alliance des Huit Nations prit Tianjin. Zhang Yi, amateur de l'élevage des pigeons, fut arrêté par l'armée britannique. Il était soupçonné d'avoir transmis des messages aux boxeurs par des pigeons. Suite à cette accusation étrange, Zhang Yi, qui se considérait comme un ami des étrangers, devint prisonnier. Mais curieusement, il était enfermé dans une compagnie étrangère au lieu d'une prison. À ce moment-là, une de ses anciennes connaissances réapparut, De Tring, directeur à la douane de Tianjin. Durant la guerre, la mine de Kaiping se trouvait dans une situation incertaine. De Tring conseilla à Zhang Yi de mettre la mine sous la protection du Royaume-Uni. On peut imaginer l'émotion de Zhang Yi à ce moment-là. Comme un homme se noyant, il saisit cette seule branche. Sur un engagement écrit de nommer De Tring agent général de la mine de Kaiping, Zhang Yi signa. Le lendemain, il fut libéré par l'armée britannique. Comment De Tring, le nouveau directeur de la mine de Kaiping, allait-il la protéger? Dans les archives, on a trouvé un contrat. Tous les biens de la mine seront transférés à Ruhua, qui inscrira une nouvelle entreprise britannique au nom de Kaiping. Ce fut un contrat typiquement occidental. Vendre les mines et les terres, voici comment De Tring protégeait les mines de Kaiping. L'homme, au nom chinois Ruhua, était l'assistant de Zhang Yi. Celui-ci lui faisait confiance sans connaître son autre identité, celle d'un agent de l'entreprise Baewick Mooring à Tianjin. Depuis longtemps, cette entreprise pillait des ressources minérales dans le monde entier. L'idée de Ruhua ressortit dans son rapport sur les mines de charbon de Kaiping. Dans ce rapport, il affirmait la grande valeur commerciale de la mine de Kaiping, qui selon lui, méritait 1 million de livres sterling d'investissement. Quelques mois plus tard, De Tring retrouva Zhang Yi. Cette fois, il ne cachait plus son désir pour la mine de Kaiping. Il voulait posséder les mines, le canal, les ports et les contrôler pour toujours. Zhang Yi s'est enfin rendu compte du vrai but de ces étrangers. Il a refusé de vendre les biens nationaux. Mais des actions de 75 000 livres sterling et le poste de superviseur à vie de la nouvelle entreprise en Chine le séduisaient. Il n'avait plus de choix. Sa dernière ligne de défense s'est effondrée devant le profit.
19 février 1901, Zhong Yi a signé le contrat faisant des mines de Kaiping les premières mines de charbon mécanisées de Chine, une propriété de l'entreprise Bewick Mooring. Le temps révélerait la vérité. Un an plus tard, l'affaire étant découverte, le gouvernement Qing demandait à Zhang Yi de poursuivre Bewick Mooring en justice. Fin 1904, Zhang Yi est allé affronter les Britanniques en Angleterre. Ce fut le premier procès intenté par des Chinois à des étrangers. Le nouvel an 1905 ouvra ce procès international à la Cour suprême de Londres. Différents témoins et preuves se sont confrontés pendant les 14 audiences se découlant en 60 jours. Le 1er mars 1905, plus de 1800 jours après sa vente, la mine de Kaiping reçut son jugement. La Chine gagna le procès. L'action de l'entreprise Bewick Mooring fut jugée comme tromperie. Pourtant, comme le contrat annexe ne soumettait pas à l'exécution forcée, la Cour ne soutenait pas les demandes d'indemnisation du plaignant. À l'époque où la puissance décidait la règle, les Chinois ne pouvaient rien faire. Le jugement s'est réduit en lettres mortes. Les grands profits des mines de Kaiping ont confirmé les prévisions de Ru Roy. Il a obtenu du coup une grande fortune. Quelques années plus tard, cet Américain est rentré dans son pays natal. C'est sans doute pour oublier son passé en Orient qu'il a effacé son nom chinois. Son vrai nom était Herbert Clark Hoover. En 1929, le plus grand gagnant de l'affaire des mines de Kaiping fut élu 31e président des États-Unis. Le jugement de la Cour n'a pas pu changer le destin de Kaiping, où flottait toujours le drapeau du Royaume-Uni. Deux ans plus tard, en 1907, les mines de charbon de Luanzhou, ouvertes par les Chinois, apparurent aux alentours des mines de Kaiping. Le gouverneur du Zheli, Yuan Shikai, nomma Zhou Xuexi, âgé alors de 41 ans, directeur général. Zhou Xuexi avait été ministre des Finances du gouvernement de Beiyang. Mais cette fois, il ne visait pas le profit. Les mines de charbon Luanzhou étaient 10 fois plus grandes que celles de Kaiping. Zhou Xuexi n'avait qu'un seul but, annexer à tout prix les mines de Kaiping. Cette rue Tai'an, à Tianjin, se trouvait l'ancienne résidence de Nathan, directeur général des mines de Kaiping. Face au défi de Zhou Xuexi, il a passé ici d'innombrables nuits blanches. À un autre endroit, au même moment, Zhou Xuexi était aussi préoccupé. La guerre des prix, tout en élargissant le marché, a suscité aussi des critiques chez les actionnaires. Ils menaçaient Zhou Xuexi de retirer leurs actions. Pour Nathan, le recul lui ferait perdre le marché, le combat lui ferait perdre le capital. Mais le plus terrible, c'est que les mines de Kaiping, entourées par celles de Luanzhou, perdraient en quelques années tous leurs filons.
Pour lui, c'était une guerre vouée à l'échec. Tel était le but de Zhou Xueqi, reprendre les mines de Kaiping par une guerre des prix féroce. Plus tard, Yuan Shikai quitta son poste. Zhou Xueqi, sans soutien, luttait seul. Une longue bataille s'est déclenchée entre Luan Zhou et Kaiping. Avec le temps, les avantages des mines de Luan Zhou se sont manifestés. La position géographique et le prix au-dessous du coût de production continuaient d'ébranler les mines de Kaiping. En 1910, le Britannique s'est enfin rendu. Zhou Xueqi avait attendu ce jour 3 ans. 10 ans plus tôt, on n'y pouvait rien. 10 ans plus tard, tout était à la portée de main. Seulement, le Britannique a demandé un prix extravagant de 1,7 million de livres sterling. Quand Nathan a enfin décidé de faire un compromis devant la réalité ne voulait pas satisfaire Zhou Xueqi. La révolution de 1911 mit fin à la monarchie absolue de Chine ayant duré 2000 ans. Les mines de Kaiping ont profité de cette occasion pour lancer une contre-attaque. Les mines de Luan Zhou ont échoué au seuil du succès. En quelques mois, les deux entreprises ont changé d'identité. Le 1er juin 1912, les mines de Kaiping et les mines de Luan Zhou ont fusionné en mines de Kailuan. Cette année-là fut l'année inaugurale de la République de Chine. Zhou Xueqi déplora. C'est pour annexer les mines de Kaiping que les mines de Luan Zhou ont été fondées. Mais la fusion finale est contre ma volonté. Ce seul pas manqué est devenu un regret éternel. Les 12 ans entre 1900 et 1912 ne sont qu'une période éphémère dans l'histoire. Mais ils ont vu le premier combat international des industries chinoises. À l'époque, les concurrences cruelles équivalaient à des combats à mort. Voici le bâtiment le plus grandiose et le plus luxueux de l'ancienne concession britannique à Tianjin. Il fut le siège des mines de Kailuan. Cet édifice a été conçu en 1920 par les architectes américains Atkinson et Dallas. Un hommage éternel rendu à cette époque effervescente. L'histoire du passé est entrée dans la légende. Les pas de Zhou Xueqi n'ont jamais disparu. Cet édifice vide, où s'est gravée l'évolution des industries chinoises depuis 100 ans, donne aux générations suivantes l'énergie de croître. En 1914, un train entrait à la gare de Tanggu. Fan Xudong avait étudié la chimie au Japon. Venant de dépasser ses 30 ans, il voulait réaliser ses ambitions. Sur les plages de Tanggu, l'état de sel était légion. Ses ressources enthousiasmaient le chimiste. La même année, il fonda l'usine de sel fin de Dioda. Après l'éclat de la Grande Guerre en juillet, l'importation de soude diminuait.
Alors que l'industrie soudière mondiale avait déjà 100 ans d'histoire, elle était vierge en Chine. Développer l'industrie chimique à partir du sel était l'ambition de Fan Xunong. Il décida de produire de la soude à base de sel. Le 29 novembre 1916, il reçut une lettre écrite par Wu Zebo. Celui-ci lui disait qu'il essayait de produire de la soude avec le chimiste Chen Xiaofu et il espérait coopérer avec Fan Xunong. En lisant cette lettre, Fan Xunong savait qu'il n'était pas seul. Sur le verso de l'enveloppe, il écrivit « Le 29 novembre 1916, point de départ de l'usine Yongli. » Un petit geste, un moment historique. Yongli posait la première pierre de l'industrie soudière de Chine. À l'époque, Tianjin était le centre du transport du sel. L'usine de sel fin de Dioda procurait les matières premières à l'usine de soude de Yongli. Or, consommer du sel en grande quantité signifiait des impôts énormes. Comment cette entreprise privée supportait-elle un coût de production si élevé? Au département d'économie, à l'université de Nankai, une équipe spéciale se consacre à l'étude des premières entreprises privées de Chine. Au cours de leur étude, une archive précieuse est apparue. Pour promouvoir l'industrie, pour l'instant, les demandes sont approuvées. C'est le décret d'exemption d'impôt du 9 octobre 1917. Pourquoi l'État donnait-il un si grand soutien à l'usine Yongli, une jeune entreprise privée? La réponse était sur la liste des actionnaires, où se rassemblaient des notoriétés politiques, militaires et culturelles. Liang Cixiao, ancien ministre, était le plus grand actionnaire. Grâce à lui, le sel utilisé pour la soude était exempté d'impôts. 40 ans avant, les mines de Kaiping étaient surveillées par le gouvernement et exploitées par les marchands. Désormais, l'entrée des politiques comme actionnaires constituait un nouveau mode commercial. Bien que le problème fiscal soit résolu, le blocus technique de l'Occident était difficile à percer. Après un entretien approfondi, Fan Xunong confia l'étude des techniques de production de soude à Chen Xiaofu. En hiver 1918, il partit aux États-Unis pour enquêter sur l'industrie soudière, acheter de l'équipement et recruter des techniciens. Après plus d'un an de recherche, deux experts occidentaux ont accepté de concevoir un plan avec l'assistance de 5 étudiants chinois. Voici le plan de conception amené par Chen Xiaofu à Tianjin. Pour eux, c'était un véritable grimoire.我们从陈条福跟范旭东之间的往来信函当中可以发现很多的这个细节，可以展现出当时技术上有多少困难，或者说我们建造这么一个在国际上具有很高技术水平的公司，对中国人来说是怎么样一个困难的状况啊？我们从两个侧面来可以看出，第一个侧面呢，就是说。
在国外呀，就是不是苏尔维工会他授权的这些公司，他尝试自己都没有成功。像日本，他技术在近代后来呢慢慢比中国要稍微高一点，但是他也试验了多年，一直都不能成功，成功不了。这个说明非常的难，非常的困难。En 1921, Fan Xudong invita Rodeban, l'un des étudiants ayant participé à la conception du plan, à travailler à Yongli comme ingénieur en chef. Quelle énergie ce jeune docteur à l'Université Columbia allait-il apporter à Yongli ? L'idée de sauver le pays par l'industrie avait aussi eu un grand écho chez Sun Xuewu, docteur de l'université Harvard et chimiste en chef des mines de Kailuan. En 1922, il a accepté l'invitation de Rodeban et Fan Xudong, renonçant à son énorme salaire. Sur le terrain désert de Tangu, il a fondé le premier établissement de recherche pour l'industrie chimique de Chine. Il nomma cet institut Mer Jaune, car Tianjin était en face de cette mer et il croyait que l'avenir de la Chine était dans les mers. Selon Fan Xudong, sans une équipe qui s'appliquait à la recherche des nouvelles techniques, la Chine ne pourrait jamais se renouveler. Ces deux anciens sont des descendants de Sun Xuewu. Ils ont fait leurs études à Tsinghua et Nankai. Bien que Sun Xuewu n'ait pas laissé un riche héritage, son esprit scientifique se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, les deux anciens ont apporté à l'équipe de recherche de Nankai une lettre écrite par Sun Xuewu de son vivant. Sur le papier jauni, on peut constater le patriotisme de Sun Xuewu. Fan Xudong, 39 ans, Rodeban, 32 ans, Sun Xuewu, 34 ans. Comme trois frères, ils ont dressé à Tianjin le premier étendard de l'industrie chimique chinoise.